Bonsoir! Hey, je suis vraiment content que vous soyez là. D'après ce que je peux voir, il y a bien du monde, ça fait deux soirs en ligne. Vous auriez pu changer de linge? Est-ce qu'il y a des amateurs d'Unité 9 dans la salle? Vous voulez voir un scoop? Alors, cette saison, dans Unité 9, il va y avoir des flashbacks. On va revenir dans le passé à quelques reprises. Bon, je veux pas voler de punch, mais ça veut dire que on va voir mon personnage quand il avait 25 ans. La raison pour laquelle je vous en parle, c'est que, évidemment, il y a un comédien qui a été choisi pour me jouer à 25 ans. Et quand j'ai su c'était qui... Je filais pas. Tu sais, voulez-vous savoir c'est qui? Oui! Il est ici. Ah ouais, rentre, là. Rentre, c'est lui. Ah! Ah oui! Yes! Patrice! Ah! Plus jeune! Plus vieux! Comprenez ce que je veux dire? Tu veux dire? Ben là, je le sais de quoi j'avais l'air à 25 ans, c'est pas de ça. Ah ouais, ben là, je vais laver mon linge, là, puis je vais couper ma barbe, là, hein? La barbe, c'est la pointe de l'iceberg, Phil, voyons. Tu sais que je t'adore, mais à ton âge, je pesais 125 livres. Au contraire, moi, mon chum, je trouve que ça paraît pas tant que ça que t'as déjà pesé 125 livres de un. Et deuxièmement, on a plein de choses en commun. Ben oui, j'ai une craque de menton, t'as une craque de sein. OK. Peut-être que physiquement, on n'est pas pareil. Hey, on parle pareil, gars. Fermez vos yeux. Ferme tes yeux, madame. T'as ça en avant. Tu l'as pas participé, fallait aller en haut avec les pauvres. Merci de participer. Stay strong. Fermez vos yeux. Ferme tes yeux, toi. Moi aussi. Ouais, ferme-les, toi. Ferme tes yeux! Pas de gris, les noms de noir! Hein? Pareil, la madame en avant, elle est qui a parlé. On sait pas. C'est une surprise. Un indice? Ou peut-être. I keep the mystery. Il y a juste ton rire, je suis pas capable de faire encore, là. Ben non. Mais. Commence à l'avoir, je travaille avec un spécialiste. Oh, un spécialiste du rire. Non, un spécialiste de bruit d'animaux. Non, mais c'est parce qu'en l'analysant, on s'est rendu compte que tu sonnais comme une chèvre qui a la gastro. Tu sais, là, comme... Vois-tu, c'est comme ça, ça coule. Vois-tu? Anyway, je pense pas rire tant que ça dans le film, là, c'est plus comme un drame. Attends, dans le film, quel film? Le film sur ta vie, Patrice? De quoi tu parles? Toi, de quoi tu parles? Le film que j'ai écrit sur ta vie, voyons! Allez, t'écris un film sur ma vie! Ben oui! Ça s'appelle Patrice Lécuyer, le bon père de famille, l'excellent animateur de quiz et le comédien hors pair. On cherche le mensonge et on va! J'aurais juste à signer le contrat qui me donnerait tous les droits sur ta vie. Puis non, regarde, ce n'est pas un film sur ma vie. Excuse-moi, c'est parce que c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que je joue Patrice étant petit. Mais non, ils veulent que tu joues mon personnage quand t'étais petit. Ah? C'est parce que tu joues tellement vrai, c'est tout à ton honneur. Anyway, le film va être malade, mon gars. J'aimerais ça te capter l'essentiel de qui est Patrice Lécuyer. Pour ça, j'aurais besoin de te suivre 24 heures sur 24, ça te dérange-tu? Non, il n'y a pas question. Non. Je savais que t'allais dire ça. C'est pour ça que ça fait deux semaines que j'ai commencé. C'est toi qui fouillais dans mes poubelles? Ouais. By the way, les pots de beurre de pinot, ça se rince, OK? Là, c'est correct, j'ai tout liché, mais je serai pas tout le temps là. Ben, j'ai remarqué, j'aurais dû m'en douter quand j'ouvre la lumière, j'ai vu un gars partir en courant. Je suis un raton laveur, bitch! Ouais. Oui, j'avais pas le choix. Regarde, de toute façon, là, c'est pas moi que tu vas jouer, c'est mon personnage dans Unité 9. Ben oui, c'est ça. Tout le film se passe en prison. T'es né en prison. Je suis pas né en prison, je suis né à Longueuil. Longueuil, prison, c'est la même affaire.
Dans les deux places, il y a du monde louche, ça sent pas propre, puis échappe pas ton savon, sinon tu t'en remettras pas. Tu vois la madame qui rit, là, elle sait de quoi je parle. Et oui, tu vas jouer mon co-chambreur, Confusion, là, tu sais. Tu veux-tu dire Confucius? Ouais. C'est qui, lui? Hein? Ben, Confucius, c'était un personnage que je jouais dans le temps, là. Ben, c'était des proverbes, un vieux sage qui disait des proverbes. Ah ouais, des proverbes. Le monde aimait ça. Ah, oui, oui, le monde aimait ça, oui. Ah ouais. Ben, ils vont aimer ça dans le film, d'abord. Donne-moi en un proverbe, m'a le noté. Bon, regarde. Oh, tiens, il m'en vient un. Okay. Okay, bon, il parlait chinois, hein? OK. Lorsque le sage au loin le galde... Lorsque le sage... Il voit bien que ton film, c'est de la malde. Hé, hey, là, t'es une mauvaise foi, mon chum. Si mon film était autant de la malde, dis-moi pourquoi Dolan aurait accepté de les allier. Xavier Dolan a accepté... Xavier Dolan réalise son film, puis c'est là que tu me dis. Voyons. Ben, pas Xavier, là. Ravier Dolan. C'est un gars avec qui je travaillais quand je faisais de l'aménagement paysager. C'est un Mexicain qui parle pas super bien français, là, mais il est super drôle, hein, tout ce qu'il fait, là. C'est mon seul ami qui a une caméra vidéo, fait que ça va être lui. Mais ça, ouais. Ben, regarde, arrête d'insister, de toute façon, ça arrivera pas, OK? Bon. OK. C'est bon. Si. Moi, je voulais juste te rendre hommage, mais regarde, c'est beau. OK. J'apprécie. As-tu dit j'accepte? Non, non, j'ai pas dit j'accepte. J'ai dit j'apprécie. Ah, c'est dommage, hein, parce que j'ai déjà écrit la toune pour le générique. Oublie la toune, oublie tout, il n'y aura pas de film, il n'y aura rien. C'est ça. Hey, c'est plate, parce que j'avais amené mon band. Amène ton band. Ah ouais? On t'en arrête, les gros écrans, là, tu sais. Eux autres. Mon band, mes cousins. Ouais. Mais vous l'entendez, sa chanson? Ah oui! Ah oui, mais c'est une chanson à répondre. Fait qu'il va falloir que tu répondes. Va que tout le monde réponde. C'est bon? OK. Patrice Lécuyer, c'est mon préféré. Dans une prison, il est né. Et des quiz, il a animé. C'est pourri. Elle chante avec moi. L'union fait la force. Ah, je t'assieds. T'as dit... Excuse-moi. Hein? C'est juste que t'es mon idole. Ah, oh, ben oui, c'est sûr. Oui. Après les grandes gueules, puis Louis-José-Haut, Martin et Marc, mais t'es pas loin dans le top, un top 50, là. Mais là, oui. Je peux-tu au moins avoir ton autographe? L'autographe, oui. C'est, ça, okay. C'est possible. Tu signes sa dernière page, puis tes initiales en dessous de chaque lettre. Fais-le voir, mesdames et messieurs!